Oh, tout le monde, c'est reparti, les affaires reprennent. Car le soleil commence à se lever, on entend encore 2-3 monstres, mais ils vont pas tarder à cramer à cause du soleil car ils ne supportent pas la lumière du jour. Pour la plupart. Donc on risque quand même d'en croiser un ou deux pendant la journée. Alors non, il n'y a vraiment pas de charbon là où j'ai commencé à crever. J'ai l'air un peu con. Alors objectif du jour, trouver du charbon. Car le charbon. Ah tiens, vous entendez, ils commencent à cramer là. On les entend en train de souffrir atrocement. Bien fait pour votre tronche. Donc on va replacer ça. Parce que ça ne sert plus à rien. Donc on va aller voir après dans les. Oh, vous ne devez rien voir du tout. Dans les grottes que j'ai un peu vues tout à l'heure. Et en espérant trouver du charbon. Donc là, je suis un peu en train de bouger ma souris. Donc j'entends plus de cris. C'est qu'ils ont dû avoir leur compte. Alors, avant de sortir, on va créer une épée. Avec la pierre que je trouvais. Oui, une épée en pierre, c'est pas trop logique, mais bon. C'est pas grave. On fera avec. Oh merde, un putain de creeper. Alors ça, dans Minecraft, c'est votre hantise. Oh putain, en plus, il y en a deux. Que ces putains de salopards, passez-moi l'expression. Voilà, ils vous explosent à la tronche. Et ils étaient bon, à la limite, vous prenez du dégât. Bon, bah voilà quoi. Alors, le plus gros problème, c'est surtout qu'ils pètent vos constructions. Oh, j'y crois pas, je me prends 3 creepers d'entrée de jeu quoi. Bon, il y en a que 2 qui ont pété, mais bon. Il y a un œuf là-bas, les œufs ça sert à rien, hein, faut le savoir. Vous pouvez juste les jeter maintenant à partir de la bêta parce que quand même ils avaient créé dans la partie à la version alpha du jeu, mais ils ne servaient à rien. Donc bon, créateur du jeu car il est tout seul, si je dis pas de bêtises, a quand même un esprit assez bizarre. Enfin une façon de penser plutôt. Donc là on est une... Non, c'est pas vraiment une grotte. Là par contre c'est plus une vraie grotte. Allez, quoi, du charbon, s'il te plaît. S'il faut que je creuse pour avoir du charbon, on est dans la merde. Je vous le dis direct. J'aurais dû essayer d'avoir une carte un peu plus montagneuse. Ah, un petit peu de RAM. Frappe, c'est un peu ramé le PC. Il y a des. Sombre un peu étrange. Des champignons. Donc, si on a les bons champignons, on pourra se faire une soupe de champignons. Par là, il y a quelque chose là. Je sais pas, je vois qu'il manque des cases donc. Non, apparemment, il y a rien. Je vous dis, si on n'arrive pas à trouver du charbon, on est vraiment mal barré. Aïe 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 aïe. On n'est pas dans la mouise. Surtout moi. Je vois même plus où est ma maison. Je me suis cassé le cul et les jambes d'ailleurs à faire une belle maison. Et... Enfin une maison, une belle tour. Sachant que de toute façon, je pense qu'étant donné l'emplacement de mon machin, on devrait pouvoir trouver mieux. Ah, ça peut être très bon ça là-bas. C'est bien ce que je pense, la terre grise là. Aïe. Non, il y a rien de bien. Ouh, je pense qu'on a touché le jackpot. Oui! Alors ça, en fait, c'est du... De l'argile ou quelque chose comme ça. C'est un... Si ma traduction est plus ou moins bonne. Qui permet de faire des briques. Donc les briques, c'est surtout pour la classe. Il me semble pas qu'au niveau de la résistance du matériau soit mieux que de la pierre. Ceux qui connaissent Minecraft me le diront. Ah mais en plus il y en a pas mal quoi. Bon, je préférais trouver du charbon, mais
Disons qu'avec ça, il y a quand même de quoi déjà bien s'amuser. J'ai vu aussi qu'il y avait des îles, je pense qu'on va se... Je vais me faire du coup une vraie maison sur une île. Mais s'il faut vraiment que je trouve du charbon... Parce que pour quoi que ce soit pour la suite, il me faudra du charbon, quoi. Je pourrais y revenir plus tard, mais j'ai peur de perdre l'endroit et... Et c'est vraiment pas un... C'est vraiment pas courant, ça. Tout du moins dans la version alpha du jeu, c'était vraiment pas courant de tomber là-dessus, quoi. Alors, je fais gaffe parce que si je me prends le tas de sable dessus, je vais avoir mal. Alors oui, vous l'avez remarqué, pour ceux qui connaissent pas, certains objets sont plus ou moins victimes de la physique et d'autres non. Par exemple, le sable tombe alors que si je mettais un rocher, enfin un rocher et de la pierre, ça tomberait pas. Pareil, la glaise ne tombe pas là. Matériaux, l'argile, des cactus, ouais, je vais prendre des cactus aussi. En fait, les cactus, quand vous approchez, font mal, et à vous comme aux ennemis. Alors, on va pouvoir enfin faire un petit système de défense, entre guillemets. Mais il me faut vraiment du charbon, là, ça va pas du tout. Dit celui qui est fin heureux parce qu'il trouve des trucs qui sont assez assez secondaires. Ah, peut-être là-bas. Alors par contre ça, je crois que c'est encore de la glaise là, ou je sais pas quoi. Oui. Alors on a une jauge d'air, la barre bleue qui est au-dessus de ma vie, si vous l'avez pas remarqué. Donc je remonte vite fait pour reprendre un peu mon souffle. Bon, dans le... En une optique d'optimisation, faudrait pas trop s'attarder sur ce que je fais, là, c'est vraiment pas une super bonne idée, mais... Personnellement, dans les parties jusque-là, je suis jamais tombé sur autant de gisements d'argile que ça. C'est assez exceptionnel que je m'extasie un peu et je me permets d'en récolter. Ça permettra de faire des belles choses, vous verrez ça. Je trouve pas de pierre. Enfin, je trouve pas de pierre, je trouve pas de charbon. Ça va pas du tout, du tout. Non, j'ai abandonné mon dernier abri. On va laisser tomber. Ah là, il y a beaucoup moins d'arbres. C'est quoi ça? Il y a encore du... Non, c'est de la pierre. Je sais bien la vache. Il y en a encore en face de la glaise. C'est assez impressionnant. Ah là, il y a des rochers. Il y aura peut-être du charbon. Wow! C'est dangereux, ça. Il faut y tomber. Alors, vous voyez qu'il y a de l'eau. La gestion de l'eau est assez étrange. Hein. Enfin... Il y a des choses qui sont pas très normales, mais ça doit être quand même assez compliqué de faire la gestion de l'eau. Je me demande si je modifierais pas ça pour en faire un abri. Le truc c'est que pareil, il me faut du charbon, quoi. Il me faut du putain de charbon. Je suis grossi, mais là, c'est vraiment une des priorités, là. Ah, peut-être en face, là. Ah, je crois qu'en face, il y en a. Si en face, il y en a, ça serait bien. Parce qu'après, ce qui est matériaux, genre charbon et compagnie, on en trouvera quand on devra miner. En sous-sol, car on devra à un moment ou à un autre commencer à creuser la terre pour essayer de trouver du fer ainsi que du diamant. Ouh, il y a du charbon! Oh, une petite crotte. Oh, il y a du fer en plus, c'est nickel. Il y a une crotte de ouf avec plein de charbon. Merde, je peux pas récolter le fer avec une pioche comme ça. Il faut une pioche en...
En pierre. J'ai oublié de m'en faire une. Quoi, j'ai récolté le charbon. Merde, y'en a qu'un là. Bon, je vais me reconstruire un établi vite fait. Même si c'est pas forcément une bonne idée. Enfin, c'est une bonne idée. C'est un peu con de devoir laisser tomber l'autre. Enfin, bon. Disons que c'est pas l'intérêt super important de le récupérer. Voilà, on va en prendre deux. Allez, on fout. On va en faire trois maintenant, comme ça après je suis tranquille. On va récupérer. Oh merde, il commence déjà à faire nuit. Ouf! Oh. Ouais. Allez, en toute hâte. Oh putain, je suis gouré de douche. Ouh, on est carrément dans la merde. On va encore passer une nuit à la con. Putain, 4 pauvres torches de merde. Ouais, en fait, non, je vais faire ça. Putain, mais j'ai perdu pas mal de vie, quoi. On va essayer de vite aller à l'extérieur. J'essaie d'atteindre l'île. Et je vais faire une petite astuce que j'avais fait dans la première partie pour être tranquille pendant la nuit. C'est tout simplement que je vais construire une énorme tour comme j'ai fait à ma précédente maison pour la repérer. Et me foutre en haut quoi, pour être tranquille. Oh là 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 là. Grave, vous parlez d'un début quoi. C'est la loose totale quoi. Alors tout simplement ce qu'on va faire, on va faire ça quoi. Je pense que je suis largement assez haut. Donc là, je pense qu'on peut voir des squelettes en train de squeletter. Là, il y a un creeper, je vois une araignée aussi. Est-ce qu'il y a des zombies? Ah, ça là-bas, ça doit être des zombies. Donc, le monde de Minecraft n'est pas exempt de danger. Et vous entendez Skype qui fait bip bip, c'est mignon. Donc, on va essayer de retourner récupérer du charbon demain. Enfin, demain, dans la prochaine journée dans Minecraft. Merde, je sais plus où est ma grotte. Elle devait être par là. Donc bref, coupure montage.